Bonjour et bienvenue sur Legata TV. Bonjour les droïdes, on se retrouve aujourd'hui pour une grosse pépite, un jeu que j'attendais depuis longtemps, et oui, Ubisoft, Immortal Phoenix Rising, et j'espère que vous allez bien. Vous êtes en présence du Droid Tech et c'est parti. Donc je viens juste d'avoir le jeu, là on va lancer la game ensemble, c'est la toute première fois que je le lance. Donc le jeu est au prix de 59,99€, je vais y arriver. Il est disponible depuis le 3/12/2020, PEGI 12, attention, on peut y jouer avec les deux Joy-Con et le Pro Controller au niveau des langues anglais, allemand, français, etc. etc. Et il existe aussi en version des maths et en version physique. Voilà. Donc pour poser les bases, vous êtes le dernier espoir des dieux, incarné Phénix, dont la tâche est de sauver des dieux grecs d'une sombre malédiction. Je vais pas spoiler plus le jeu, puisque pour moi ça va être l'un des jeux à acheter pour Noël, je vous le dis direct. Voilà, moi je l'attendais depuis super longtemps, j'ai été super hypé par ce jeu-là dès les premières présentations. Bon, on laisse les sous-titres, c'est bien. Facile, c'est bien. La sublime Hera, divine mère, la très sage Athéna, le puissant Poséidon qui fait trembler le sol. La fervente Artémis dont on dit la visée si juste qu'elle peut transpercer le cœur d'un colibri. Des cochons fardés, tous, je te vois là-bas. Approche, je t'attends. À moi! Au secours! Quelqu'un! Tu n'es pour rien dans tout cela. Tu es une victime, comme tous les mortels, nés dans ce fol atelier à ossements. Vous n'êtes que des reflets tronqués d'un miroir brisé. Admire tes dieux. Celle-ci a tué 6 enfants innocents pour assouvir sa rage. Ils se querellent, sont rongés par l'envie, trompent, combattent et assassinent. Ils sont cruels, vindicatifs et égoïstes. Et, à l'instar du talon d'Achille, leur méprisable faiblesse les perdons. Je n'ai pas leurs défauts. Les autres sont tombés. Il n'en reste plus qu'un pour m'empêcher de rénover l'Olympe. Le plus perfide, le plus arrogant, borné et orgueilleux fils de Chronos, celui qui m'a enfermé sous terre. Le seul et unique Zeus! Comme tu m'as manqué, Prométhée, mon cousin préféré. Tu m'as enchaîné à ce rocher et laissé un aigle me dévorer le foie. Mais c'est par amour. Oui. Tu as besoin de moi. Typhon est libre. Tu as jadis combattu aux côtés de ses alliés, les Titans. Persuade-le d'abandonner. Ce n'est pas si simple. Il entrave ma capacité à voir l'avenir. Je ne perçois rien. Par-delà sa seule présence. Vas-y. Foudroie-moi. Impossible! Il a pris mes éclairs. Il m'a tout pris. Même les autres dieux ont disparu. Tourne-toi vers les mortels. C'est fait! Ces parasites maléfiques, insipides, benés, ils ont tous été pétrifiés. L'un de ces parasites maléfiques sauvera ta royale carcasse. Ma carcasse, elle est à l'abri et elle n'a rien à craindre, t'inquiète. Et les humains,
ne seront jamais que des erreurs pitoyables. Es-tu prêt à en faire le pari? Si je gagne, ma faute d'avoir volé le feu et assuré leur survie deviendra alors une bénédiction. Tu trouves que ton châtiment est injuste? Disons un peu excessif. Alors, marché conclu? Si tu l'emportes, j'y mettrai fin et je te libérerai. Mais si je gagne, tu m'aideras à triompher de Typhon, quel qu'en soit le prix. Très bien. Puisse le récit de Phénix être ma rédemption. Oh non, pas une de tes histoires. Combien de temps ça va? Mon récit débute en mer. Un navire chargé de soldats revient d'une campagne lointaine. Mais il est victime d'une tempête imprévue. La mer est démontée. Ils sont fauchés par les vagues. La ligne séparant le ciel de la mer s'est évanouie. Le sommet des vagues surplombe des vallées abyssales, aussi profondes que le Tartare lui-même. Dis donc, t'es fortiche pour les descriptions. C'est tout un art. Quoi qu'il en soit, le navire était perdu. À l'aube, le soleil se leva sur les quelques rescapés. L'âme la plus humble, dont la tâche était de porter le bouclier, rêvait de bataille, mais n'avait jamais connu le tumulte. Attends, ne me dis pas que... Bon, on va choisir notre personnage. Déjà, c'est archi badass au niveau... Qu'est-ce qu'on peut choisir? Beau corps de rêve. Ok. Des cheveux comme... On peut lui faire bleu. Couleur de baiser glacé. Vas-y, on va le laisser comme ça, c'est bien. C'est histoire de... Là, je le vois comme en plein jour. Le plus humble d'entre eux était un porteur de boucliers, rêvant de bataille, mais ignorant le tumulte de la guerre. Un être de conte plutôt que d'action. Phénix. C'est quoi ce nom, Phénix? Phénix, d'où ça sort? On dirait le bruit que ferait un oiseau qui s'enflamme tout seul. Ce qui est un concept un peu ridicule, hein, pour ne pas dire pire. Je vais quand même noter ça quelque part. C'est ainsi que Phénix s'éveilla sur une grève inconnue. Loki à gauche! Capitaine! Quelqu'un m'entend? Le seul moyen de quitter cette plage est de gravir cette falaise. Donc le bouton B pour sauter, le bouton A, ok, le bouton Y pour esquive, le bouton X n'est pas signé, LR, ZL, ZR, tout ça n'est pas signé non plus, et la caméra avec le Joy-Con de droite. Non, on a du feuillage impeccable. Donc là, on avait la courbe de l'effort dès le début. Bon, graphiquement, ça claque. Donc là, je suis docké, hein. Je suis pas en mode portable. Et ses frères d'armes. La lumière lui joue en détour. Il aurait juré qu'il l'appelait par de grands gestes. Phénix, encore toi. Tu n'es peut-être pas ton frère Liguiron, mais je ferai quelque chose de toi. Tiens bien mon bouclier et ne le lâche pas cette fois.
Je ne t'ai pas vu là-bas. Ne fais pas attention à eux. Ils sont jaloux, c'est tout. Faut pas leur en vouloir, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un frère comme le tien. Lokagos ! Lokagos, tu m'entends ? Tu es tout froid. Quelle peut être cette magie ? Ligiron ! Où es-tu, mon frère ? Perdu et désarmé, Phénix était vulnérable. Je dois garder mon calme et appliquer ce que j'ai appris. Donc là, on est à 64 mètres de l'obstacle, de ce qu'on doit faire. L'épée de mon frère. Non ! Zone de quête. Comme ça, on va avoir une arme impeccable. En tout cas, elle est super bien modélisée, elle est super propre. Donc le jeu est aussi disponible sur PS4, Xbox Series X, PlayStation 5, Google Stadia mon frère. Et sur PC. Donc je pense qu'il va être méga plus beau sur PC, Xbox et PS5. Évidemment. Mon étoile polaire. Je te ramènerai. Je le jure. Allez voir comme ça me fait penser à Dr. Stone. Phénix n'avait jamais eu le droit de tenir l'épée sacrée, ce cadeau d'Achille. Elle lui parut parfaitement équilibrée, comme si on l'avait façonnée pour lui. Une épée offerte par Achille ? Son frère devait être doué pour le combat. Pourquoi dis-tu cela comme ça ? Parce qu'à moi, il m'a jamais donné d'épée. C'est tout. Phénix leva les yeux. Il n'était pas seul. Par les dieux ! Reculez ! Il brandit son épée pour sa première bataille. Ouais, ça dépote, hein. Donc là, on est sur Immortal Phoenix Rising, et je vous prépare un autre let's play avec un jeu dans le même genre. Et on va voir un peu, on va pouvoir les comparer ensemble. Et celui-là est déjà beaucoup plus punchy. Donc là, je suis à 120 mètres. On va continuer. Là, il y a des champignons. C'est la plus grande statue d'Hermès que j'ai jamais vue. Je me demande qui a pu l'ériger. Cerné par les défis, absolument seul, le jeune héros était résolu à sauver ses compagnons et son frère. Oh, c'est lourd. Allez, la suite. Non. C'est important. Cela établit une atmosphère. LR parade. Ah, je me suis bien fait là. Faut tout apprendre par cœur là. Ah voilà, j'ai pris charge super cher. Et voilà, nickel. Là, je me suis mal orienté. On va récolter. Ah, franchement là super bien, super punchy comme j'aime et tout. De toute façon je vous l'ai dit dès le début, j'ai été hypé et c'est vraiment pour moi le jeu à acheter cette année. Et Ubisoft ils ont fait vraiment du bon boulot. Après j'ai pris sur la Switch pour la portabilité, mais pour la beauté je prendrai sur PC quoi. Tu mets ça avec une 3060 Ti. Bah, c'était un peu plus, 3080. C'est bien, on peut récolter là, c'est impeccable. Impec. Il
les autres soldats, eh ben... ils sont vraiment pas du genre à apprécier les belles histoires. On continue. On va les récolter d'abord. Ça pourra nous servir plus tard. La fenêtre. La destinée de Phoenix devint alors plus claire. Bon, jusqu'ici, tu ne me montres qu'un mortel a pris un seul combat. Et je te signale gentiment pour l'instant que Typhon devient de plus en plus fort. Ne te moque pas de moi, Prométhée. Je te jure que ce guerrier sera l'instrument de notre salut. Car s'il échoue, et si Typhon nous bat, le monde sombrera dans le chaos. Même si on est sur Switch, c'est quand même très joli. Hein. Un temple d'Apollon. Si j'y trouve un oracle, il pourra m'aider à déjouer cette malédiction. Un griffon ? Il n'existe pas ! Lâche-moi ! À l'aide ! Hé ! Je vais te sauver ! Je sais pas comment, mais bon. Ah, il va là-bas. J'arrive ! Il faut que je trouve le moyen d'atteindre cette faille. mètres, ok. Pas mal. Ça claque. Hein. Donc on a dévoilé toute la zone et ça nous donne un peu... Pff, putain, il y a du lourd. Hein. Oh là là, le jeu, il est immense. Il y a des heures de jeu, là, franchement. En plus, là, je suis en mode facile. En mode hard, il y a de quoi travailler. Tryharder comme il faut. Comment magnifique. Bon, là, je spoil pas... Hop. J'aimerais bien récupérer ça là. Sans me vautrer. Impeccable. Ça a l'odeur à la fois du miel, du premier jour de printemps. Ah, j'ai pris cher là. Et de mon premier baiser. Phoenix se met en plus à l'ambroisie. Prométhée. Tu as peur de perdre à chacun de ses pas ? Phoenix sentait la lame de Lydiron. Sa masse lui rappelant le poids des responsabilités. Elle joue comme un porc. Offert ton épée ? Oh, Achille. Je voulais te demander, pourquoi quelqu'un recevrait-il une épée de la part d'Achille ? En cadeau. Une offrande normale de la part de quelqu'un qui vous regarde dans les yeux, qui vous considère, hein, et qui vous porte de l'affection. C'est tout. J'avais laissé une rose sur son plastron. Excuse, j'ai une poussière dans l'œil. Vas-y, roule. Dites-moi ce que vous en pensez de Immortal. Laissez-moi un commentaire. Si vous allez le prendre ou pas. Transformée en marbre. Celle des grenades s'épanouissait hardiment, gorgée de vie. Je trouve ça bien poétique pour quelque chose qu'on se colle dans la bouche. C'est un peu le but des meilleures poésies, non ? Mais qui vous a fait ça ? Bon, Prométhée, ça suffit, les scènes de chouine avec les mortels. Un peu d'action. Entendu. Ah bah voilà, là c'est mieux. Tain, on voit du lourd là quand même. Hein. Il n'y a pas de problème de caméra et tout, c'est vraiment vraiment bien. Fut attiré vers Phoenix. Ce métal des dieux souhaitait être forgé en quelque chose de plus noble. Trois grenades. Et du coup, faut que j'aille là-bas. Je sais même pas comment je vais y aller. Je sais même pas si on peut aller dans l'eau. C'est une bonne question. Ah, il y a du monde là-bas. Là, j'ai raté mon esquive. Nickel. Je peux nager jusqu'à l'autre côté. Ah bah oui, on peut nager, nickel. On peut plonger, mais là pour l'instant on va pas plonger. Le but c'est pas de spoiler le jeu.
Mais c'est vraiment magnifique. Donc là, ok. Mais je vois pas trop à quoi ça sert pour l'instant. Ok, on récupère de la vie. Donc je reste appuyé sur la touche, la croix directionnelle. Ce qui me permet de récupérer de la vie. En plus, j'avais pas grand chose, je m'étais bien éclaté tout à l'heure. Ah, j'aimerais bien le terminer celui-là, mais en gameplay, ça va faire un nombre énorme d'épisodes. Et sur Legata TV, il y a d'autres choses à présenter. Tu m'entends là-dedans ? Donc à voir, peut-être qu'on se retrouvera sur Twitch. J'ai trouvé ta hache ! Phoenix s'approcha de la hache, ayant senti qu'elle l'appelait. On dirait la hache d'Atalante. Ce doit être une copie. Quoique... Mais avant que Phoenix ait pu la saisir, la hache fut attirée dans le trou par une force terrible. Ouais, typhon. Qui frappe à ma porte ? Voilà, tout simplement. Personne. Tu crois que je vais me laisser avoir par ce vieux tour ? Eh ouais, je Ulysse. Suis pas né de la dernière pluie, je connais. Ouais, dans les épisodes d'Ulysse avec le Cyclope. Voilà, archi connu. Eh ben voilà, c'est terminé pour Phoenix. Formidable, hein, comme histoire. Bon, il y a 2-3 longueurs, on va pas se mentir, hein. Mais je m'attendais pas à cette fin. Donc, voilà. Il est temps que tu me donnes un coup de main face à Typhon. Wow, mais l'histoire n'est pas finie. Loin de là. D'accord, ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et là il prend cher, il perd pas de vie. Donc voilà pour la première présentation de Immortal Phoenix Rising sur Nintendo Switch. Je vais pas vous spoiler plus. Si vous en voulez plus sur Legata TV, vous me le dites dans les commentaires. Voilà, tout simplement. Et vous avez vu la map, hein. Du coup, la durée de vie va être très très conséquente. À faire ça en épisode, ça risque d'être long sur Legata TV, pour Legata TV. Peut-être le faire en live sur Twitch. Ou alors si vous préférez des épisodes, plusieurs petits bouts d'épisodes de 20 minutes, je peux essayer de le faire, il n'y a pas de problème. Moi je suis plus partant par contre sur un live Twitch, voilà, tout simplement à essayer de poncer le jeu le plus rapidement possible. Je vous dis à la prochaine sur Legata TV. Vous avez déjà eu dès le début du jeu ce que j'en pense. Pour moi il est magnifique, il est super beau sur Switch et sur d'autres supports. Et c'est vraiment le jeu de l'année à acheter si vous êtes dans cette folie là par rapport à ce jeu là. Prochainement il va y avoir un comparatif avec un autre jeu, je ne spoil pas pour le moment. Mais du coup qui est beaucoup, un petit peu différent. Mais dans le même concept. Voilà, je vous dis à la prochaine. Salut! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.